Et salut tout le monde! Alors on se retrouve en cette fin d'après-midi mouvementée en termes de météo pour une découverte, je dirais dans la tendance, de ce bon vieux, bah vieux non pas du tout, il est tout neuf, de ce très cher Star Wars Squadrons. Alors ce soir, petite nouveauté en ce qui concerne le stream, c'est que on part sur une config avec un OTAS. OTAS que j'ai depuis un certain temps maintenant, hein, ça c'est pas un souci. Mais par contre, c'est la première fois que je stream avec, donc je sais pas exactement ce que ça va donner. En plus de ça, si j'ai mes écrans qui commencent à partir en sucette, ça va devenir très compliqué. Petit problème de météo, je pense. Alors, bougez pas. Je relance le jeu. Ah, c'est les aléas. On fait avec ce qu'on a. En attendant, on a une jolie musique très douce pour nous accompagner en cette entrée de week-end. Ah, je suis sur un écran de connexion. Ok. Ouais, je crois que ça, la config que j'avais lancée, j'ai fait un peu de config. Langue français, blablabla, ça m'a l'air bon. Allez, moi je dis let's go. Alors, est-ce qu'il y a le son du jeu par contre? Il y a le son du jeu, mais j'ai l'impression qu'il est très faible. On va attendre d'avoir un peu de musique, des paroles, quelque chose, et puis on va juger ça. Ça m'a l'air faible. À moi dans le casque, pas que j'entends rien, mais presque. Un peu le son. A l'air toujours assez faible. Ou alors c'est mon casque qui est très faible. Ah, alors j'avais configuré les deux personnages, mais visiblement ça n'a pas été sauvegardé. Qu'est-ce qu'on a en soi en fait, s'en fiche un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que j'avais lui en impérial. J'ai rien à perdre.
veulent la guerre. Ils l'auront. Essayez de ne pas vous mettre sur mon chemin. Nous allons Ça ne sera... Ne sous-estimez pas la patience et la précision. Nous allons ramener l'ordre dans la galaxie. Je m'en occupe. La victoire m'appartiendra. Ils vont rien comprendre. Elle est trop grave. Je ne vais pas vous mettre sur mon chemin. Notre victoire est inévitable, évidemment. On va laisser les noms par défaut, pas de problème. Et lui, j'avais mis L, je crois. Les autres visages, ils me plaisaient pas plus que ça. On va bien se marrer. Et alors, comme voix, je lui avais mis bleu, je crois. Ma préparation est vraiment optimale. Quelqu'un doit le faire. On a vu pire comme idée, je pense. Vous ne le regretterez pas. C'est mieux, hein? Allez, accepté. Et c'est parti! Choisissez expérience standard, c'est quoi ça? Désactive, ouais non, standard c'est bien. Hein. Pilote. Ok, voulez-vous commencer histoire solo? Bien évidemment. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alderaan a choisi la destruction. Ils ont incité à la rébellion et à l'anarchie. Et en ont payé le prix. Les survivants continuent de semer la dissidence. Trouvez-les. Et détruisez-les. Ah. Tant que vous n'avez pas complètement détruit Alderaan. D'Alderaan. Comment? Je croyais que les survivants se cachaient. Les rapports de renseignement signalent un convoi alderaanien en direction de Porphostar. Vous devez l'attirer et l'éliminer. Est-ce que c'est compris, capitaine? Parfaitement, commandant Sloan. C'est tout, merci. T'es prêt, lieutenant Kirill? L'escadron est en route. Ils ont hâte d'exécuter les ordres du Seigneur Vador. Et vous? Pas d'état d'âme à chasser les réfugiés d'un monde détruit par nous? Lors du soulèvement d'Iskallon, vous m'avez appris à ignorer la propagande. Ce sont des traîtres, pas des réfugiés, et ils seront traités comme tels. J'ai préparé notre équipement Sigma 9 habituel. Non. Que les TIE standard aujourd'hui. On vole à l'ancienne, alors? Ça pourrait être un vrai défi, après tout. Ça pourrait être un vrai défi, oui. Vous m'écoutez peut-être. Mais vous ne me comprenez pas. Je veux pas tuer les gens. C'est moi, c'est moi! Et ne tirez que sur mon ordre. Le convoi est bien là-bas. Ne leur faisons pas peur. Faisons ça bien. Une nouvelle victoire est proche.
Alors, oula. Juste monter encore un peu le son. Je trouve faiblard. Ah, il est vachement moins faiblard. Ouais. Alors. Vérification d'avant-vol. Pilote, démarrez les systèmes de votre cockpit. Affirmatif. Alors, par contre, c'est quoi les boutons 1 ? D'accord, gâchette. Système opérationnel. Avant-vol terminé. Décollons proprement. Suivez mon chasseur. Ah, cibler. Alors, ça serait quoi le bouton 2 ? Ok. Capteur avant en ligne, traçage activé. Maintenant plein gaz et déployez-vous hors du hangar. Curseur haut pour accélérer, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ok. C'est gauche, droite c'est droite. Par contre haut c'est bas et bas c'est haut. Ça, ça va pas le faire ça. Alors, option, commande. Inversion, l'axe vertical. Appuyer vers le sur bas vous fera monter. Bah non, ça c'est déjà le cas. Tac, ok. Alors par contre, ce que c'est bouton 2, c'était ça je crois. Hein. Voilà, bas c'est bas, haut c'est haut, on est bon. Toi qui dévie d'abord. Alors, comment est-ce que je ralentis ? Il faut éviter les collisions. Ça, c'est nul aussi, ça. De l'intérieur, on oublie à quel point nos destroyers stellaires sont imposants. Alors, attends. C'est quoi les boutons 5 et 6 ? C'est un peu l'enfer pour trouver, hein ? Ah, attention, qu'est-ce que j'ai fait ? Non. Chut, tais-toi. Oh. D'accord. C'est ça, très bien. Et du coup, le 5, c'est celui-là. Ok. Ça m'arrange pas des masses, mais ok. Alors. Accélération. Sous forme de paliers incrémentaux, l'accélération augmente et diminue de manière fluide entre les ajustements de vitesse. Alors je veux bien, mais c'est quoi le bouton pour accélérer en fait ? C'est ça que je cherche. Ah, j'avais un autre truc, qu'est-ce que je voulais ? Ah oui, le roulis. Ouais, parce que là le roulis c'est horrible. Hein. Non, je veux pas.
pas clavier souris en fait. Là qui est embêtant. Accessibilité, non. Ça. L'option est activée, la jauge d'accélération se déplacera lentement vers le centre pour atteindre plus facilement la meilleure maniabilité. Si elle est désactivée, vous aurez le contrôle total sans friction. Bon, visiblement, c'est pas possible. Mais vous laissez près de la coque requiert une grande prudence. Aïe. Bouton 12 pour quitter vous le regard. C'est bon de voler comme au bon vieux temps. Les chasseurs TIE ont un petit quelque chose de très direct. Nos ennemis. Voilà. Ennemis savent à quoi s'attendre. C'est quoi le bouton 12 ? En formation, pilote. Ben, je veux bien, moi, mais c'est quoi le deux ? Quelqu'un teste les formations de combat. Mieux vaut ici que sur le terrain. Gardez vos distances, Elix. Ces moteurs sont assez chauds pour vaporiser un TIE. Et c'est le décès. Alors, recommencer la mission. Oui. On est toujours à la recherche des boutons magiques. Hein. Alors, à votre avis, c'est quoi le bouton numéro 12 ? Non, je crois qu'on va passer sur manette, parce que là... Alderaan a choisi la destruction. C'est quoi le Ils bouton 4 à la rébellion et à l'anarchie. D'accord. Donc B, c'est le bouton 4. Pourquoi pas. Nouvelle victoire est proche. Ok, ok. Ça, c'est bon. De votre cockpit. D'accord. Mais par contre, Yusuke, ça se joue qu'avec système le stick. Zambe. Décollons proprement. Suivez mon chasseur. J'essaie toujours de trouver ce que c'est le bouton 12. Hein. Maintenant plein gaz et déployez-vous hors du hangar. Curseur haut pour accélérer. Restez en mouvement, il faut éviter les collisions. Oui, ça je veux bien. De l'intérieur, on oublie à quel point nos destroyers stellaires sont imposants.
Attention, les boucliers ne nous font rien, mais vous laisser près de la coque requiert une grande prudence. Vous avez raison. C'est bon de voler comme au bon vieux temps. Ah, bouton numéro 3, ça sera quoi ? Les chasseurs TIE ont un petit quelque chose de très direct. Nos ennemis savent à quoi s'attendre. Attention pilote, la commandeur Sloan vous fera repeindre cette coque avec une brosse à dents. On dirait que quelqu'un teste les formations de combat. Mieux vaut ici que sur le terrain. Oh, c'est horrible, le roulis sur l'axe Z, c'est dégueulasse. Alors, ça sera quoi le curseur ? Gardez vos distances, Elix. Ces moteurs sont assez chauds pour vaporiser un TIE. J'ai connu quelques casse-cou qui l'ont découvert, à leur dépens. Les pilotes TIE repoussent les limites, parfois les limites ripostent. Je vois pas ce que c'est le curseur haut, hein, toujours. Ouais, je fais toujours que accélérer, c'est... Magnifique. Comment est-ce que je ralentis, bordel de cul ? Oh, ça y est, ça m'énerve déjà. Basez-vous sur moi. J'ai essayé absolument tous les boutons. Bien, tous les systèmes sont calibrés et la flotte est en bon état. Le vigilant en fait. Signale que notre transporteur Kozanti est prêt. Escadron Helix, amarrez-vous au Kozanti pour le saut dans l'hyperespace. Certainement. J'ai toujours pas compris comment on accélère et freine, mais... Mais ce sera à nous de trouver le convoi de réfugiés. Ils n'échapperont pas deux fois à l'Empire. Est-ce que je peux avoir un vaisseau que j'ai pas cassé, s'il vous plaît ? Mais là, ouais, vu les contrôles, j'ai peut-être passé ma manette, hein, parce que le roulis sur l'axe Z, les virages droite-gauche, non, c'est... Quelle idée de merde. Fou, capitaine. Mise en place des transporteurs. Le blocus se forme. Notre arrière-garde est en sécurité, au moins. Intéressant. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. Alors notre convoi pourra se fondre dans la masse. Oui.
à tous les vaisseaux de fret, ici le capitaine Lyndon Javes de l'Empire Galactique. Préparez-vous à une Je crois que j'ai compris. Immédiate. Ici le commandant de Port Fostar. Ouais, non, peut-être pas Je en fait. Je vous prie de ne pas harceler mes clients. S'ils coopèrent, tout se passera bien. Pilote, poursuivez. Évidemment. Vérifiez votre capteur avant, il repérera les cibles possibles. Commencez par ce vaisseau. Alors, pour scanner un objet ou un vaisseau inconnu, faites-lui face et appuyez sur le bouton numéro 2 pour cibler. Puis approchez-vous. Votre scan commencera automatiquement quand vous serez face à la cible et à moins de 1000 mètres. Attendez, nous avons toujours été loyaux envers l'Empire. Qu'il provient d'Alderaan. Continuez à chercher. Pilote, continuez l'inspection et voyez si les réfugiés sont là. Bien. Celui-là ensuite. Je paierai ce que vous voudrez, mais confisquez pas mon vaisseau. Il ne fait pas partie du convoi. Vérifiez un autre vaisseau. Donc, vous ne prenez pas mon vaisseau? Là, un vaisseau tente de s'enfuir. D'une simple inspection. On va leur apprendre les bonnes manières. Pilote, activez vos systèmes d'armement. Pilote, suivez-le sur vos capteurs et tirez une rafale, juste pour les neutraliser. Alors voyez s'il cache les réfugiés. Là, arrêtez ce vaisseau. Mais je vais tellement trop vite! Laissez-moi ralentir, bordel! Parce que je sais pas comment ralentir, connasse! Y'a aucun bouton qui répond! Bon, et si on essayait la manette du coup? Que j'ai un problème avec de manette. Pourquoi il n'y a pas un soir où ça se passe bien, hein? Sans déconner. Alors, on va mettre un petit coup de musique quand même. Si, ça y est, il est connecté. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Alors, ça a l'air connecté, mais il ne se passe absolument rien. Oh, quelle fatigue, franchement. Au lieu de s'éteindre, elle me lance Steam maintenant, c'est magnifique. Stupido, éteins-toi, j'essaie de te rebooter, débile. Oh, par contre, elle met 100 ans à se connecter, c'est ouf. Par contre, du coup, ça veut dire que la manette fonctionne puisque ça m'a ouvert Steam.
Donc c'est bien qu'elle ait reconnu, hein. Alors, voulez-vous vraiment recommencer la mission? Oui. Alors, on va couper la musique. Est-ce qu'il faudrait que je débranche le OTAS du coup? Doudoudoum. Mais j'ai l'impression qu'il ne se passe absolument rien avec la manette, c'est impressionnant. Ils ont incité à la rébellion et à l'anarchie. Tant on peut jouer manette. Ça serait abusé sinon. Les survivants continuent de semer la dissidence. On va passer tout ça, encore une fois. Ok, alors. Compliqué. Bon, jouabilité, non, c'est pas ça que je cherche. Affichage tête haute. Ma foi, si tu veux, oui, ok. Commande. Manette, il y a une zone manette. Pourquoi elle est pas reconnue, la manette? Qu'est-ce que c'est que cette... Alors, on va enlever ça. Réinitialiser par défaut, ok. Alors, attendez. Essayez de relancer le jeu. On va bien voir. Avec un peu de chance, il va falloir de nouveau configurer les joueurs. C'est impressionnant, depuis hier, il n'y a rien qui va dans les streams. Incroyable. La base, reconnaître une manette pour jouer. Ou alors les menus se font au clavier souris et le jeu il se fait avec la manette. Ça serait complètement con. Et d'accord. Ah. Là déjà il m'affiche les boutons de la manette. C'est pas mal. Pas mal. Alors, il faut démarrer le jeu avec les périphériques, peut-être. De reconnaître un périphérique à la volée, visiblement, c'est compliqué. Pourquoi pas, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Une nouvelle opération commence. Tous les rangs de joueurs ont été réinitialisés. Combat de placement, gna 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 gna. Nouvelle récompense disponible, ok, super. Je veux faire l'histoire, s'il vous plaît. Défi, terminer 20 défis quotidiens avant la fin de l'opération pour obtenir la récompense, casque symbole d'espoir. Ouais. Terminer des combats aériens, 0 sur 3. Ça leur apprendra à remporter des combats dans les batailles contre l'IA, ok. Détruisez les vaisseaux ennemis. En tant que X-Wing ou chasseur taille, il faut en faire 20 comme ça d'ici 20 heures. Eh ben mon cochon. Alors, jouer. Histoire. Continuer l'histoire. Alors, j'ai juste coupé le micro et rangé le...
notification d'avant-vol. Pilote, démarrez les systèmes de votre cockpit. Certainement. Du coup, on va redécouvrir les commandes. Système opérationnel. Avant-vol terminé. Si je vous mets l'image, c'est pas plus mal. N'est-il pas ? Capteur avant en ligne, traçage activé. Maintenant plein gaz et déployez-vous hors du hangar. Alors, si on monte, on monte, si on descend, on descend. Ça, c'est magnifique. Gauche, droite. Ok. Et le roulis se fait sur le stick gauche. Va falloir bien gérer quand même. Hein. Ça marche. Je te suis, hein, Capitaine. Capitaine Javez. Les collisions, il vaut mieux rester à l'arrêt. Hein. De l'intérieur, on oublie à quel point nos destroyers stellaires sont imposants. Attention, les boucliers ne nous font rien, mais voler si près de la coque requiert une grande prudence. T'inquiète, je me suis déjà crashé une fois. Vous avez raison. C'est bon de voler comme au bon vieux temps. Les chasseurs TIE ont un petit quelque chose de très direct. Nos ennemis savent à quoi s'attendre. En vrai, je crois que c'est plus facile à voir. Si tu voles à l'envers. Hein. Du coup, t'as toute la vue qui est dégagée, quoi. On dirait que quelqu'un teste les formations de combat. Mieux vaut ici que sur le terrain. C'est vrai. Et la flotte est en bon état.
vigilance signale que notre transporteur Kozanti est prêt. Escadron Helix, amarrez-vous au Kozanti pour le saut dans l'hyperespace. Affirmatif. Ça marche, faisons ça. Ralentissez sous le Kozanti pour que ses amarres puissent s'accrocher. Ça marche. Encore. Qui nous ont déjà échappé du coup il y a 10 minutes. C'est les méchants ici. Je sais même pas ce que c'est pour tirer du coup. Ah ? Ou gâchette. Tout à fait. De fret, ici le capitaine Lyndon Javes de l'Empire Galactique. Préparez-vous à une inspection immédiate. Ici le commandant de Port Fostar. Je vous prie de ne pas harceler mes clients. S'ils coopèrent, tout se passera bien. Pilote, poursuivez. Ok. Vérifiez votre capteur avant. Il repérera les cibles possibles. On va essayer d'accélérer un peu le mouvement, hein. Pilote, commencez par ce vaisseau. Alors, oui, ça, on l'a vu tout à l'heure. Attendez, nous avons toujours été loyaux envers l'Empire. Ça va, t'es clean. Nous sommes loyaux, je le jure. Aucun réfugié à bord. Continuez. Bien. Celui-là ensuite. Je paierai ce que vous voudrez, mais confisquez pas mon vaisseau. N'est pas là pour te confisquer ton vaisseau, madame. On est là pour trouver des méchants rebelles. Qui ont osé fuir. Rien n'indique qu'il provient d'Alderaan. Continuez à chercher. Donc, vous ne prenez pas mon vaisseau ? Non. Là, un vaisseau tente de s'enfuir. D'une simple inspection. On va leur apprendre les bonnes manières. Pilote, activez vos systèmes d'armement. Pilote, suivez-le sur vos capteurs et tirez une rafale, juste pour les neutraliser. Alors ? Ok, ok.
de réfugiés ici, monsieur. Juste des armes de contrebande et un chargement d'épices. Laissez ces contrebandiers à la flotte. On doit rejoindre la station. Ah, pour faire défiler les cibles. Mes clients sont des commerçants légitimes. Vous n'avez pas le droit. Capitaine, la station vient tout juste d'activer ses défenses. Escadron Helix, détruisez ces tourelles. Elles empêchent l'inspection. Ici, personne ne tire à moins d'être prêt à riposter. Même l'Empire devrait savoir ça. Ah. Oula. Cible détruite. Aïe aïe aïe. Trop risqué, trop risqué. Certains chasseurs comme les X-Wing ont des boucliers régénérants. Vous devez d'abord éliminer les boucliers avant de pouvoir endommager leur coque. Lorsque votre réticule de visée passe de blanc à rouge, votre tir touchera la cible, d'accord? Wow! Alors, elle est passée où ma cible? Quelqu'un de plus proche là parce que... Ils ont réussi à me toucher. Cible détruite. Cible détruite.
derrière moi. Aïe 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 aïe. Que c'est qui me tire dessus là? Aïe 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 aïe. À comprendre la gestion du radar. Cible détruite. Allez, plus qu'un. Voilà. Toutes les cibles rebelles ont été détruites. Ah, oh, c'est chaud un peu, hein. Faut que je fasse quoi là? Que je rentre là-dedans? Aïe 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 aïe. Attrapez ce traître. Perdu le contrôle. J'espérais ne pas en arriver là. Des missiles, attention. Vous ne m'arrêterez pas. Ah d'accord. Faut pas que je lui tire dessus en fait, faut juste que je suive. J'espérais ne pas en arriver là. On me dit pas tout aussi, mais... Des missiles, attention. Ouais, t'inquiète. Faut juste le suivre.
J'aurais aimé que vous pensiez comme moi. Au revoir, Teresa. Et du coup, on s'arrête comme ça à l'arrache. Bon. Ah. Et maintenant, tu vas faire quoi ? Allez, là on passe en X-Wing. Ouais, t'inquiète. Comme ça, lui, salaud, va. Moi aussi, je veux ça. Wow. Ah, par contre, si tu t'arrêtes sur moi comme ça, là... C'est plus classe les tailles. Vérifiez les boucliers. Ok, on va devoir tenir le coup un petit moment. Ouh, c'est la machine à laver. J'avais pas vu. On est bon. Mise en formation. Echo 2 en attente. Echo 5 en attente. Je suis avec vous. Je suis là, chef. Prêt à botter des culs. Moi je suis chaud hein, mais suffit de passer dedans. Apparemment. Parfait. Ok. Nous avons tracé l'appel de détresse. Il vient de Port Foster. Un convoi de réveil sur Port Foster et votre destroyer stellaire intérieur. Il nous faut de l'aide. Ok, on y va. Escadron Echo, à la première vague et allez au point de rendez-vous. Alexa arrive quand la moitié de la flotte est pas là. Hyperdrive. Les impériaux ne se reposent jamais, et on devrait faire de même. Ouais. Parce que le repos c'est surfait, de toute façon. Okay.
Ouais, ça c'est Stargate, ça surtout. Hein. Je suis prêt. Ok. Content que vous ayez eu mon message. Je n'aurais pas pu retenir ces TIE plus longtemps. Qui êtes-vous? Un déserteur? Si vous m'acceptez, appelez-moi Lyndon. Je vous expliquerai plus tard. Pilote, aidez-moi à repousser ces chasseurs. Echo 4, ignorez ce quasar. Concentrez-vous sur les TIE. Alors on devrait se débarrasser de ces TIE. Tirez des missiles. Ouais. Il est où? Il me tourne autour ou quoi? Eh, viens là, coquin. Ennemi intercepté. Merci. C'était plutôt marrant. Il en reste la moitié. Continuez. Je les vois, juste derrière nous. Aïe. Ah mais j'ai plus de laser, sale d'ailleurs. J'en ai un derrière moi.
Ouais, par contre, c'est horrible à manier. J'arrive pas à viser à la manette. Je suis vraiment naze. Hein. Il a un coup de poignard dans le dos, twist. Escadron, il y a un quasar qui fonce sur le convoi. Et il n'arrive pas seul. Abattez-moi ces TIE. Aïe. J'ai l'impression de prendre des dégâts, mais en fait non, je comprends pas. J'ai récupéré des missiles là. Ah ouais. Je suis désolé, je parle très très peu, je suis concentré au maximum. Je vous aime. Je suis pas spécialement doué encore pour ce genre de truc. Allez, ça c'est fait. Ok. Immédiate. On a besoin d'aide.
de l'escadron Echo avec toute sa puissance. C'est gentil. Un destroyer stellaire, encore. Mais face à ces tourelles. Ça va aller, notre flotte arrive. Pas assez rapide. Mmh. La flotte est sur vous. Escadron Echo, protégez le convoi pendant que le vaisseau amiral s'attaque aux vigilances. Bien reçu. Attendez, l'Empire envoie un raider pour intercepter le convoi. On doit éliminer ce raider. Pilote, avec moi. Presque à portée. Préparez-vous. Bien, leurs boucliers faiblissent. Concentrez l'attention du raider sur nous, pas sur le convoi. Le raider a perdu ses boucliers. Ils essaient de se faire couvrir par les vaisseaux amiraux. C'est notre chance. Finissez le travail. On en vient à bout. Continuez. Allez. Oui, on y est presque. Aïe. Et où, capitaine? Tu m'as fait faire un 360, capitaine. C'est quoi ce bordel? On fait ça alors. Vous attaquez le destroyer stellaire à deux ? Et alors ? Pourvu que notre flotte maintienne ses boucliers HS. Frappez ici, nous pouvons éliminer le ciblage du vigilance. Passer en full moteur. Hop là. Voici un tutoriel rondement mené. Chacun choisit sa voie, claire ou obscure, liberté ou destruction. L'Empire a choisi de détruire Alderaan pour semer la crainte et éteindre les feux de la rébellion. Mais les pilotes héroïques de l'Alliance Rebelle ont choisi de continuer à se battre pour montrer à l'Empire qu'il ne nous fait pas peur. C'est leur courage qui a mis fin au règne de Palpatine et donné jour à la Nouvelle République. Cependant, l'Empire perdure, même s'il est en mille morceaux. En ce moment même, les forces impériales se dirigent vers le secteur Bormea et veulent anéantir notre Nouvelle République avant qu'elle ne soit stable. Face à l'effondrement de leur Empire, ils essayent de resserrer leur emprise. Mais la galaxie se transforme et vous pouvez jouer un rôle. Avec l'aide de pilotes courageux et audacieux, cette guerre peut prendre fin. Agissez, volez avec la Nouvelle République. Faites de notre galaxie un monde meilleur. S'il vous plaît.
prologue terminé. Vous avez terminé le prologue, mais votre aventure ne fait que commencer. Vous pouvez poursuivre l'histoire, recommander ou aller au menu principal pour accéder à la personnalisation, l'entraînement ou au mode de multijoueur. On continue l'histoire, bien évidemment. Escadron Vanguard à Tempérance, vous nous recevez maintenant ? Notre mission longue portée sont dégradées. Vous êtes la troisième patrouille à signaler des pannes de communication. Rentrez, Gunny. Le commandant voudra un rapport complet. Maudite communication. On a perdu beaucoup de temps et on est en retard pour rencontrer le nouveau patron. On fait la course pour rentrer, Frisk ? On peut arriver avant la fin du discours. Est-ce qu'on a envie d'arriver avant la fin du discours ? Je fais pas la course avec vous. J'ai bien retenu la leçon des 12 premières fois. Ah, chut, le discours va commencer. Je n'aime pas les discours. J'irai droit au but. C'est un honneur de commander le Tempérance et cette flotte. La réputation de courage et d'intégrité de cet escadron est sans égale. C'est pourquoi nous sommes réaffectés à une initiative dont le nom de code est projet Starhawk. Starhawk. Alors les rumeurs sur un projet secret sont vraies? C'est quoi, à votre avis? Un nouveau type d'arme? Un nouveau vaisseau? La victoire. Si ça met fin à la guerre, je m'en fiche. Pas moi. Moi, j'aime bien savoir pour qui je travaille. Pour les gentils, Frisk, n'est-ce pas? Les seules personnes de la galaxie qui n'ont pas mis votre tête à prix. Ah, Grace, la journée n'est pas encore finie. D'accord, on retourne aux Tempérances. On va voir le nouveau chef et tous ceux qui l'accompagnent. J'avais dit de vous attendre. Je suis Zerelda Sey, mécanicienne en chef, et voici le Tempérance, ma plus grande fierté. J'imagine que vous voulez vite plonger dans l'action. Ouais. Alors, voici le reste de votre escadron. Hé, hey, Gunny, voilà notre nouvelle recrue. Allez-y, je vous rejoins là-bas. Bienvenue dans l'escadron Vanguard. Je suis Kiera Koupa, vous pouvez m'appeler Gunny. Je suis ravi de vous avoir dans l'équipe. Moi de même. On reparle après le briefing, ok? Ok. Vous avez rejoint une des meilleures unités de la Nouvelle République. J'espère que vous serez à la hauteur. Bien, suivez-les dans la salle de briefing. Je crois que notre nouveau commandant vous y attend. Ah mais on peut bouger. Tellement habitué au truc où on peut pas. Oula, Ah oui non, c'est juste, tu vises et t'appuies sur A quoi. Ah, vous êtes là. Excellent. Ardo, voici notre nouveau Vanguard 5. Ah, le Vanguard qui a sauvé votre peau à Port Vostar. Ardo Barodai, renseignement de flotte, un plaisir. Plaisir partagé. J'ai pris votre affectation sur Chandrila. Un honneur, sans grand danger. Mais les bons pilotes ne doivent pas rester sans rien faire. J'ai besoin de gens de confiance. J'ai pensé que vous voudriez repasser à l'action. C'est pas ce qui manque dans les parages. Parfait. On va vous briefer. Bon retour au front, Vanguard 5. Merci, commandant. Comme vous avez dû le voir, l'Empire brouille les communications dans le secteur. J'ai peur que ces pannes soient un signe d'invasion. Escadron Vanguard, vous allez vous séparer pour régler ça. Frisk et Grace, emmenez notre nouvelle recrue à la frontière du système de Brenthal. Les éclaireurs qui sont partis enquêter n'ont pas donné signe de vie. Découvrez ce qui leur est arrivé, puis rejoignez votre escadron près de la planète Kavas. Gunny et Keo, vous allez vous y rendre. Si j'étais encore un impérial, j'enverrais des vaisseaux de brouillage là-bas. Connaissant l'Empire, ils vont utiliser ces vaisseaux de brouillage pour interrompre nos communications longue portée. Ils vont Logique. Venir avec des escadrons TIE. Détruisez tous les escadrons et brouilleurs impériaux. Les communications doivent être rétablies pour l'avenir du projet Starhawk. Une fois votre mission accomplie, regroupez-vous et revenez aux Tempérances. À vous de jouer, escadron Vanguard. Vous avez une minute ? Keo.
Venzi, bienvenue dans l'escadron Vanguard. Vous allez faire de belles choses avec nous, croyez-moi. Cette équipe est incroyable. Avant, je faisais de la course semi-pro et maintenant, je fais la guerre contre l'Empire. Un sacré changement. Tu m'étonnes. Chaque membre de Vanguard tire les autres vers le haut. Vous trouverez votre place. Quel que soit ce projet Starhawk, je suppose que les commandants nous en diront plus quand ils seront prêts. Mais pour le moment, on a des éclaireurs à trouver. Bien, madame. Selon le plan de bataille, nous ne volerons pas ensemble pour cette mission. Mais vous serez tôt ou tard à mes côtés. On se voit plus tard. À plus. Hello, Grace. How are you? Bonjour. Grâce à l'Avatar Asienar. Grace, pardon, si vous préférez. Tout le plaisir est pour moi. J'appartiens à Vanguard depuis si longtemps que Gunny m'a fait confiance comme numéro 2. Et sa confiance est difficile à gagner. Surtout pour les membres de famille impériale. Bon, tout le monde finit par le savoir un jour ou l'autre. Oui, malheureusement, ma chère famille éloignée construit des chasseurs TIE pour l'Empire. Et j'éprouve un grand plaisir à réduire ces chasseurs en poussière. J'imagine que vous aussi. On se voit plus tard. Effectivement. Allez, go. Salut Gunny, on se retrouve. On peut enfin faire les présentations. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Gunny. Restez sur vos gardes. Faites attention à ce que vous faites et tout ira bien. On avait eu des pannes de communication comme celle-ci juste avant que l'Empire n'envahisse Mimban. J'ai perdu beaucoup d'amis, mais j'ai appris à tirer avec un blaster. Vous volerez avec Frisk et Grace aujourd'hui. Allez les rencontrer si ce n'est pas fait. Voici mon meilleur conseil. Restez avec votre escadron. Rien de compliqué, mais parfois les As et les loups solitaires ont besoin de l'entendre. À votre vaisseau. Ok, chef. Ils sont quand même moches vos casques, hein, les gars. Vous auriez pu faire quelque chose. Zeralda, Frisk. Qui es-tu, Zeralda? Que me veux-tu, plutôt? Une mission? Déjà? Bien! J'aime pas attendre sans rien faire. J'ai un X-Wing tout prêt pour vous. Un petit bijou. Si vous avez besoin... Pardon. Ce droïde me regarde de travers. Ces tas de ferrailles préparent toujours quelque chose, pas vrai? Tu es un peu parano, toi! Si vous avez besoin de quelque chose pour votre superbe chasseur, venez me voir, d'accord? Je verrai ce que je peux faire pour vous. Ok. On devrait faire une vérification d'avant-vol sur votre X-Wing. Quand vous pourrez, monter dans le cockpit. Ça roule. On fait ça alors. Avant, je parle à ma copine. Non, à mon copain. Ah, ravi de vous rencontrer. L'escadron m'appelle Frisk. Seule Grace m'appelle par mon vrai nom. Et seulement quand elle est en colère. Je sais, on voit pas souvent un beau gosse comme moi se battre pour la rébellion de la Nouvelle République, ou ce qu'on est devenu. J'étais spécialisé dans ce qu'on appelle les acquisitions. Vous savez, chiner les trophées, les antiquités, tout ce que les collectionneurs voulaient. Jusqu'à ce que ma tête soit mise à prix, évidemment. Comment je pouvais savoir que ce tableau était faux? Ou que le gouverneur impérial allait le montrer à l'amiral Traun. C'est ce qui est génial ici, cependant. Ils ont toujours une place pour un bon pilote, que sa tête soit mise à prix ou non. Vous jouez au sabac, sinon... J'essaie d'apprendre, mais personne ici ne veut jouer contre moi. On pourrait faire quelques parties, pour des crédits, évidemment. Y a que comme ça que je peux apprendre, non? Non. Bon, on devrait continuer et réparer cette panne de communication. Installez-vous dans le cockpit dès que c'est bon pour vous. Allez, go. Ah, le X-Wing, colonne vertébrale de l'Alliance Rebelle et de notre Nouvelle République. Polyvalent, il se dressera devant tout chasseur ou vaisseau amiral de la flotte impériale. Installez-vous dans le cockpit dès que c'est bon pour vous. C'est bien reçu. Ah, lancer la mission, d'accord.
J'en ai un aussi de stick comme ça, mais je peux pas l'utiliser a priori. Un peu nul. Système de gestion de l'alimentation, ok. Ok, je charge votre droïde astromécano. Gardez un œil dessus. Salut, R. Je sais pas quoi. Silence, ta ferraille. On a une vérification d'avant-vol à faire. Oh, calme-toi, il est avec moi, c'est mon pote maintenant, ok. Ça booster. Tous les systèmes sont opérationnels, Vanguard 5. Vous allez pouvoir y aller. Bonne chance. Merci, Miss Veralda. Sauf si je me trompe. Tête chercheuse, missile à concussion, c'est parti. Laser. Vanguard 5. Vous vous souvenez de vos paramètres de mission, Vanguard? Trouvez les éclaireurs, détruisez les vaisseaux brouilleurs. Et revenez avant la fermeture de la cantina. Je ne pourrai pas parler pendant le briefing. Merci, Ardo. On fera attention. Ouais, on va envoyer, hein. Rendez-vous sur Cavas une fois que vous aurez retrouvé nos pilotes. À très vite. Bonne chance à vous deux. Fuck. J'ai pas l'impression qu'elle soit affichée la vitesse, si. Coordonnées d'hyperespace calculées. Les moteurs sont chauds. On y va, escadron Vanguard. Let's go, babe. Pourquoi t'es à l'arrêt, madame? J'espère que les éclaireurs vont bien. Moi aussi, Chris. Quelque chose là. Là, il y a quelque chose là. On le voit, on le voit. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Voilà notre feu. Pulvérisé. Quelqu'un m'avait vraiment
vraiment pas envie que ces éclaireurs rentrent chez eux. Hé, je capte un deuxième signal. Allons voir ça. Suivez-moi. Suivez-moi où ? Prends une trajectoire et suis là, qu'est-ce que tu fous ? Bien sûr. Il y a un problème. Avec un peu de chance, quelque chose aura survécu à l'attaque. Soyez prêts à tout. Surtout à nous battre. Passez vite, ce n'est pas un signal de la Nouvelle République. Il vient de l'Empire. Ok, ok. Vous êtes en sécurité. Zut. Allez, au revoir. Aïe. On fait vite. On pourra peut-être arrêter l'Empire avant qu'il trouve nos amis. Je marque les coordonnées. Avec un peu de chance, on les surprendra. Allons-y. Pour les éclaireurs qu'on a perdus, on poursuit Von Gartzang. Je suis nouveau, pourquoi vous me suivez ? Vous êtes taré ou quoi ? Quelle que soit la suite, on l'affrontera ensemble. Ah mince. Je suis dans le mauvais sens. T'inquiète, on va se les faire. Bombardez ces vaisseaux brouilleurs. Bien sûr, Chris. Je m'occupe de les affaiblir et vous deux, vous les achevez. Vous pouvez éviter un missile en enchaînant des virages serrés dans différentes directions. Distribuez la puissance au moteur et réglez votre accélération à mi-vitesse pourra vous aider. Aïe 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 aï
stupide. C'est mort. C'est un peu naze quand même. Je me suis raté hein, complètement, j'ai foncé dedans. Mais du coup, tu restes bloqué dedans en fait. C'est con ça. Aïe aïe aïe. Les débris ça pique. Je suis dans le bon sens là. Hop, on repasse en équilibré. En tout cas, il suivra plus. Des renforts à faire.
Cassidy et des TIE. On les éliminera aussi. Je croyais que c'était fini, moi. Chasseur TIE éliminé. Chasseur TIE éliminé. Demandez un ravitaillement. Si besoin, vous pouvez demander un drone de ravitaillement à votre chasseur de soutien. Un drone de ravitaillement s'arrimera temporairement à votre vaisseau, réparant votre coque et réapprovisionnant votre armement. Pour réparer votre coque et ravitailler votre arsenal. Suivez-moi. Regardez-nous, côte à côte. En avant. Vanguard, on a un croiseur impérial qui protège le dernier débrouilleur. Éliminer ces vaisseaux ne sera pas facile. T'inquiète. Nous tiendrons nos contre-mesures prêtes. Quel est notre plan? Si on abat les brouilleurs en premier, on pourra appeler le Tempérance en renfort. C'est pour ça que vous êtes aux commandes, Kalin. 5, concentrez-vous sur les brouilleurs. Ouais. Et c'est parti. Je suis la cible, on dirait. Les contre-mesures peuvent rapidement vous débarrasser d'un missile, mais elles sont limitées en nombre, utilisées avec modération. Pour déployer les contre-mesures, gardez un œil sur la jauge de missiles et appuyez sur B juste avant l'impact. Est-ce que je peux recharger? Ça.
patrouillage ennemi. Mon cochon, c'est pas simple. Ouais, ça a pas changé ça. Le côté expérience, amélioration, tout ça. Il me semble que si, hein. Waouh. Médaille d'efficacité, que dalle. Médaille de service durable, que dalle. Défense brisée, que dalle. Waouh. Terminer la mission 1 en 16 minutes ou moins. Ah ouais. Terminer la mission 1 sans mourir. Effectivement. A détruit tous les chasseurs taille avant d'éliminer les brouilleurs. Il y a resté un chasseur taille avant d'éliminer les brouilleurs ? Voulez-vous vraiment revenir au menu principal ? Oui. On va aller voir un peu la personnalisation. En fait, s'en fiche. Personnaliser le chasseur. Secondaire gauche, drone de réparation. Oui, ça, absolument.
coque. Ah, il faut un cube. Je sais pas ce que c'est. Vous avez besoin de plus de réquisitions. Et c'est le coup de barre. La peinture. Ah, il faut 1200 points de gloire. Rigolo. Obtenu pour avoir terminé l'histoire. Ah, celui-là, je l'ai. Mais on peut pas le... Nul, ça. Terreur de Varsha. De Varsha, pardon. Disponible dans l'opération 2. Très bien. Ah, il me plaît bien celui-là. En vrai, je la trouve très sympa celui-là. Là, il est vilain. Hein. Escadron Vanguard. Ouais, moi je fais pas partie de votre escadron, je m'en fiche. Ce sera marrant. Ah si, je peux mettre ça. Nouvelle République. Allez, on va mettre la Nouvelle République noire. Il y a en rouge. Ah, en noir, c'est bien. Plus discret. Il n'y a pas d'autres trucs, hein, on est d'accord. Des hologrammes. Ouais, ça permet d'afficher des petits... D'accord. Why not? Et à gauche, on a des petites figurines. C'est rigolo, ça. Ouais. Forcément. Et ça, c'est quoi? D'accord. Donc là, on peut suspendre des babioles. Alors, DPS max 450.1, cadence de tir 7.5 tirs seconde, vitesse de recharge 9 énergies seconde, capacité 182, portée 1000 mètres, vitesse 2000 mètres seconde. Lui, il fait beaucoup moins mal, DPS seconde. C'est que ce truc. Tire rapidement plusieurs lasers longue portée par salve, mais nécessite ensuite un court temps de recharge. Les ennemis sont plus faciles à toucher qu'avec un laser non guidé. Ah, il est guidé. Visée auto, d'accord. Dis-moi tout aussi. Ah ouais, là c'est la... C'est le fusil à pompe celui-là, il fait beaucoup de dégâts, mais par contre c'est un tir seconde quoi.
Lui, on est à 7,5 tirs seconde. Portée 600 mètres, ouais, c'est vraiment le fusil à pompe. Et alors lui, par contre, il fait des dégâts, mon salaud. Provoque des dégâts importants sur les boucliers, peut désactiver les chasseurs et les sous-systèmes, mais n'en endommage que très peu la coque. D'accord, donc c'est du dégât, mais dégât contre les boucliers. Ah, donc je peux mettre plus d'armes encore et enlever le heal. Ok. Donc là tu répares 50 par seconde pendant 8 secondes et il te faut 30 secondes pour le recharger. Déjà équipé sur le secondaire droit. Contre-mesure. Ouais d'accord. Maniabilité plus 30, accélération moins 30, vitesse max moins 30. Temps de verrouillage ennemi plus 200%, temps de régénération du bouclier plus 200%. C'est plus dur à cibler, par contre, une fois que t'es touché, c'est la marde. Oh. Bon choix. Passer au hangar impérial. C'est vrai qu'on peut jouer les deux. C'est la même chose. Chasseur taille, le bombardier taille, l'intercepteur taille et le faucheur taille. Très bien, d'accord. Allez, repartons là-bas. Sortons du hangar. Oui, carrière, c'est... Ouais, mais carrière, c'est du PVP, non, ça ? Ah non, les nouveaux défis, c'est dans 18h, donc t'as 18h pour faire les 3 défis. Il faut que je fasse les 20 défis en 2 mois, 60 jours. Ok. Allez, on va continuer l'histoire. Bien sûr qu'on continue l'histoire. Viendra pas de sitôt sur notre territoire. Grâce à notre nouvelle recrue. Ouais, et grâce au reste d'entre nous. C'est pas une course, hein, on joue en équipe. C'est vrai, Gunny. Mais quand même, super pilotage là-bas. Merci, je suis mort qu'une fois ou deux. À propos de pilotage au vol, je pensais à la course du vide du dragon il y a quelques années. Vous aviez vu ça, Keo ? Ouais, j'ai tout vu sur Holonet. Ouais, moi aussi, j'ai tout regardé. En revanche, impossible de me rappeler du vainqueur. C'était pas une des jumelles H ? Non, non, Delan Vuk. Ouais, c'est ça. C'était quand même autre chose à l'époque. En fait, je n'ai vu que Keo lui arriver à la cheville en tant que pilote. Oh, n'exagérez pas. Delan Vuk a gagné 9 titres. J'en ai que 5. Oui. Oh, c'est discuté. Le commandant Jave nous a envoyé quelqu'un de spécial qui nous attend dans la salle de briefing. Allons-y et découvrons la suite. Commandant, attends.
Oui, bah il va attendre un peu, hein, le temps que je regarde ce qui se passe. Oh, il s'est pris pour qui, lui? Oh, ok, il se passe rien. Où est-il maintenant? Il est parti. J'ai aidé le groupe Talus à le chasser d'un convoi médical en direction de Yavin. Il est coincé dans l'atmosphère de Yavin sans hyperdrive. Mais il y a trop de chasseurs pour que le groupe Talus s'en occupe seul. Ça pourrait marcher pour nous deux. Allons, que je vous présente. Ouais, Gentiliès, escadron Rogue. Alors c'est grâce à vous que j'ai pu faire passer ma communication. J'ai un problème de destroyer stellaire que Vanguard pourrait m'aider à résoudre. Et nous avons besoin d'un destroyer stellaire intact pour le projet Starhawk. On va prouver ce que vaut Vanguard. Wedge, je vous en prie. Vous l'avez peut-être entendu. Le groupe Talus a encerclé le destroyer impérial Victorum au-dessus de la planète Yavin. Ils sont dos au mur. Mais ça nous a permis de passer à l'action pour désactiver le destroyer stellaire et en prendre le contrôle. Donc, on doit d'abord se mettre à l'abri en éliminant les tourelles. Et si on peut aussi éliminer le système de ciblage, on gagnera encore plus de temps. Ensuite, nous devons préparer le destroyer stellaire pour l'embarquement. Vous devrez trouver un point d'entrée potentiel dans la coque du Victorum, de préférence près du pont. Une fois que vous aurez trouvé le bon emplacement, bombardez-le jusqu'à rompre la coque. Mais on peut quand même s'attendre à ce que le Victorum soit encore rempli de chasseurs TIE. Ils vont essayer de nous arrêter. Une fois le ciel dégagé, on pourra amener l'équipe d'embarquement. Pendant que nos troupes s'empareront du pont, Vanguard protégera l'extérieur contre les renforts. Lorsque l'équipe d'embarquement aura capturé le pont et contrôlera le destroyer stellaire, nous nous retrouverons avec le Tempérance. Ok. Je pense avoir donné l'impression que le vol d'un destroyer stellaire est facile. Espérons-le. Alors... Désolé pour cette introduction mouvementée, mais le groupe Talus comptait sur moi pour obtenir rapidement des renforts. Votre commandant dit que vous avez du talent, suffisamment pour voler un destroyer stellaire et vous en tirer sans problème. En tout cas, on peut essayer. Normalement, l'escadron Rogue aurait dû s'en charger, mais la générale Syndulla m'a temporairement affecté au projet Starhawk. Pendant ce temps, Rogue s'occupe de... Bon, c'est top secret aussi. La générale Syndulla a de quoi nous occuper. Votre commandant et moi avons quelque chose en commun. Jadis, j'ai également volé pour l'Empire, à l'Académie Sky Strike. Opter pour la rébellion a été le choix le plus intelligent de ma vie. Si seulement la plupart de mes amis en avaient fait autant. Bon, j'aime bien votre discours, mais le groupe Talus nous attend. J'ai rien dit. C'est toi qui as parlé tout le long. Destroyer stellaire, est-ce que vous ne les lancez pas dans le grand bain un peu trop tôt, Lyndon? Vanguard peut gérer ça, pas vrai? De plus, le projet Starhawk a besoin de ce destroyer stellaire pour... Vous savez bien. Wedge s'est fait un nom lors de la bataille de Yavin. Il connaît ce système mieux que l'Empire ne le connaîtra jamais. Vous combattrez sur les anciennes terres de la Rébellion. Donc si Wedge a un conseil à vous donner, vous aurez intérêt à l'écouter. Vous savez qu'un Krakana blessé peut toujours mordre. Faites attention autour de ce destroyer stellaire, hein? Partez dès que vous pouvez. Un quoi blessé? Regarde, il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, allez go. Race, qu'est-ce que t'as à me dire? Alors on va sur Yavin. Et en bonne compagnie apparemment. Et maintenant on sait que le projet Starhawk a besoin d'un destroyer stellaire impérial. Sa puissance de feu est suffisante pour éliminer une petite flotte. Ou surprendre l'Empire. Mais cela ne justifierait pas tout ce secret. Les plans du commandant ne doivent pas s'arrêter là. Faisons-lui confiance. Dommage qu'on ne puisse pas obtenir ce qu'on veut plus facilement. Même un destroyer stellaire endommagé a encore des ponts en plaques de duracier, des tourelles, des boucliers.
Mon pauvre père fanatique appelait les destroyers stellaires les points de l'Empire. Il n'avait pas tort. Mais on peut les battre. Avec du talent. Et de la chance. Mon pauvre père. En route pour Yavin. Et vite. Va te calmer toi aussi, hein. Oh, rien d'autre. Ouais, go, hein. Le commandant veut vous voir dans un X-Wing pour cette mission. Je vous ai installé des missiles ioniques. Ils désactivent les chasseurs ennemis, ainsi que les sous-systèmes des vaisseaux amiraux. Ok. On arrive tranquillement à 2 heures de live. Bon, le début, ça a été la galère, mais... Yavin Prime, cet endroit rappelle toujours des souvenirs. Si on pouvait avoir un peu de chance à la Skywalker aujourd'hui... D'accord, c'est bon Vanguard. On va plonger au cœur de l'action. Ok. Vanguard. Capitaine Antilias, avec l'escadron Vanguard, on vient vous aider. C'est un vrai plaisir de vous voir, Wedge. On a subi de grosses pertes. On doit arrêter ce destroyer stellaire. Ne vous inquiétez pas, on est là pour l'intercepter. Vous êtes quoi? Préparez-vous. Des intercepteurs, ils doivent disparaître en premier. Effectivement, ils sont rapides. Ils vont transpercer nos chasseurs. Vanguard, donnez une priorité à vos cibles. Oula. Ah oui, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ok. Tant que j'arrive à viser un vaisseau, il se fait défoncer, sans déconner. Ils sont presque tous là. Alors ne vous arrêtez pas. Et maintenant, je les élimine. Du vrai travail d'équipe. Vous êtes en sécurité. Merci. Qu'il n'ouvre le feu sur nous.
Dan. Vous pouvez concentrer vos boucliers à l'avant ou à l'arrière de votre vaisseau pour maximiser la... Vous pouvez également les équilibrer. Comment ? Vous pouvez concentrer vos boucliers à l'avant pour maximiser la protection d'un côté tout en laissant l'autre à découvert. Alors je veux bien, mais comment ? Ah. Maintenez X pour ouvrir le sélecteur de concentration de bouclier. Pardon, et le stick gauche pour sélectionner avant. Détruisez son système de ciblage. Allons-y. Activation des boucliers avant. Malgré tout ce qu'il a subi, ce truc en a encore dans le ventre. Pas étonnant que le groupe Talus se soit fait massacrer rien qu'en le poursuivant. Je voulais voir le Victor Homme partir en fumée. Mais le voler, c'est encore mieux. Aïe 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 aïe. J'ai quelqu'un derrière. Hé Zang, ça vous dirait d'ouvrir cette brèche? L'ennemi a une cible. Disponible et d'attaque.
bon travail. Les Wings arrivent. Nous pouvons amener l'équipe d'abordage en sécurité. Suivez-moi jusqu'au lieu de rendez-vous. On les couvrira. Vanguard, en avant. Sinon, on peut se barrer de là où ça tire ou... Équipe d'abordage, nous vous avons un visuel. Prêt à attaquer un destroyer stellaire? Reçu, Capitaine Antilles. Emmenez-nous là-bas, on s'occupe du reste. Vous avez entendu, Vanguard. Guidez ces U-Wings jusqu'à leur destination. Restez sur vos gardes. C'est l'équipage du destroyer stellaire. Si notre section d'abordage prend le pont, elle piratera les systèmes de sécurité interne. L'équipage ne sera pas un problème sans ordinateur et avec les sas blindés verrouillés. Un transporteur impérial. Ils envoient des renforts. Ils n'abandonneront pas le Victorum sans se battre. Vanguard, éliminez ce croiseur. Par défaut, votre système de ciblage ne fera que défiler les... Quoi ? Ne fera défiler que les objectifs, mais vous pouvez le modifier avec la roue de ciblage. Vous pouvez par exemple configurer votre ciblage sur un système du vaisseau principal pour le concentrer sur les sous-systèmes d'un destroyer stellaire mortel ou sur tous les ennemis pour cibler des ennemis non essentiels à la mission, comme les chasseurs TIE juste devant. Attaquer les ennemis, il est en bas. Horrible à suivre lui. Oh.
bombe. Fait mal. Eh ben... Vous m'avez sauvé la vie. Est-ce que ça a un quelconque intérêt de faire ce que je fais là ? Honnêtement.
transporteur. Continuez. Vous y êtes presque, Vanguard. Éliminez ce transporteur. On nous tire dessus, mais on est presque au bord. On vous poursuit. Ouais non, tous les ennemis, ça va bien. Avec moi, Vanguard. Regroupons-nous au Victorum. L'équipe d'abordage a peut-être besoin d'aide. On a presque franchi les portes blindées. C'est compliqué. Congratulations! Vous pouvez prendre le relais, Vanguard. Je vais escorter le groupe Talus en lieu sûr. Bon travail. Merci. La générale Syndulla sera impressionnée. Oui, terminé. Alors, à quel point est-ce que j'ai chié la mission ce coup-ci? Ouais. Elle a fait en moins de 13 minutes. Sauver Frisk d'un suiveur mortel. Ah. Désolé Frisk. A découvert la brèche du Victorum au premier scan. Ah bah oui, non. Je crois que j'ai tout scanné donc. Sur le circuit de la mort au tournant. On a dû voler un destroyer stellaire et aider nos amis en même temps. Et voir Yavin. On a toujours des alliés sur la quatrième lune. Mais j'y ai jamais mis les pieds. Sur Yavin, j'ai ressenti une énergie que je n'avais jamais ressentie ailleurs. C'était chaotique et serein en même temps. Mmh. L'Empire perturbe l'énergie de chaque planète qu'il touche. Mais j'arrive toujours à ressentir le bon côté derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'on se bat, le bon côté. Mmh. Bref, j'ai vu Frisk embêter le commandant Javes un peu plus tôt. Connaissant Frisk, le commandant ne dirait pas non à un coup de main. Gunny! Maintenant, l'Empire va vouloir récupérer ce destroyer stellaire. Bien, laissons-le essayer pour voir. Vous savez, une fois de retour, quand l'Empire a envahi Mimban, nous avons volé un transporteur rempli de bipodes de surveillance. Lorsque l'Empire est venu les récupérer, nous les avons retournés contre lui. Un moment inoubliable. J'imagine que le commandant a le même genre d'idée en tête pour ce destroyer stellaire, pas vrai? Sinon, à quoi bon? Au moins, Wedge a choisi la bonne équipe pour ce job, hein?
Ces flemmards de l'escadron Alphabet seraient encore en train de tourner en rond sur Yavin. Assez jacassé. Allons voir le commandant pour savoir ce qui nous attend. Ça marche. Bonjour, petit droïde. Bon allez, avant de continuer cette jolie découverte de Star Wars Squadrons, on va faire une petite pause dîner. Je vous laisse en compagnie d'une petite musique douce et je vous dis à très très vite.